Salutations à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va partir en direction les États-Unis, mais plus particulièrement With Guns avec États-Unis, produit par Ben Joule et directed by Natal Pix, extrait de son dernier album qui le son daté déjà de mai 2019. Et With Guns, correct album disponible en streaming ici. Donc voilà, ça remonte à 2019 tout ça. Mais voilà, je sais qu'on m'a l'a demandé en commentaire, en réaction, etc. Donc on va regarder ce que ça donne. L'organisation. ATL in the building. Déjà la vague de fou. Attends, pull up. Juste voir comment il a. La folie, ma gueule, c'est trop fort. Qui veut prendre la vraie? Je vais me mettre en jeu. Il est incroyable, je te jure, With Guns, ce gars-là. Et le son date de 2 ans, t'imagines? Franchement, je kiffe trop ce gars-là. Il est très très fou, ma gueule. Très très fou. Alors, que dit-on? Déjà, je mets le petit j'aime, tu vois ce que je veux dire. Tiens, je vais aller voir les commentaires, ça dit quoi? Si tu replays le clip plusieurs fois, viens pointer ici. Allez, je mets un j'aime parce que j'ai déjà remis le clip.
Merci à tous ceux qui ont apprécié le clip de Wind Guns États-Unis réalisé par Natalpix. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube, nouvelle chaîne de Natalpix. Elle a fait un. Je sais pas si une go ou pas. En tout cas, l'aréal a été très très propre. C'est du beau travail. Le sujet a été respecté sur le sujet des États-Unis, etc. Il y a des beaux plans, rien à dire. Et Laura! Putain, qui aime le flow comme moi? Wind Guns aura une très grande carrière dans la musique. Et s'il y a encore des gens qui pensent le contraire, bah c'est la vie. Ce clip est passé sur Trace Urban, wesh, je clip grave. Les MC au son lourd de 2 minutes. Assumé une fois de plus, frère, j'irai aux États-Unis. Je suis gabonais vivant en Afrique du Sud, je kiffe la vibe du petit, il est original. Depuis le Togo, force à toi, c'est vraiment l'Amérique et l'Afrique où il y a des vrais chanteurs. Force à toi, élément C, le Yémen. Wild, tu m'as réveillé, je dois prendre mon billet. Franchement, je sais qu'il a des inspirations de fou des États-Unis. Je crois qu'il a habité là-bas. J'avais vu dans les commentaires, on m'avait expliqué légèrement. Et c'est bien, c'est bien. Il prend l'inspiration d'où il aime, d'où il kiffe. Et c'est bien. Il a vécu son rêve et son truc. Après, je dois voir exactement comment s'est passé son truc avec les États-Unis, etc. Je vois l'organisation partout. Est-ce que c'est le nom de sa team ou pas? Je sais pas. Et il a toujours en fait ce flow de malade en fait. Ce flow où son flow un peu US ou. Après, c'est pas forcément le flow actuel, mais c'est un flow créatif avec. Une vibe qui te laisse faire ce que t'as envie en fait, tu vois. Moi quand j'entends ça, c'est comme si je pensais un petit easy, tu vois ce que je veux dire, un petit Kanye, tu vois. Après c'est pas le même type de son, mais tu vois l'autotune qui pousse à fond comme ça, je sais pas, ça me rappelle les Kanye un petit peu légèrement. Je me demande comment il ferait sur des prods plus posés. Sans rajout, avec un débit plus rapide. Je me demande comment il serait. Franchement, lui là, son prochain projet là, ça va être quelque chose. Hein. Ah frère, lui là, faut le surveiller. Hein. En tout cas, lourd, j'ai bien aimé. Et voilà, rien à dire. Hein. C'est toujours aussi fort. Hein. La prod très très chaude, je sais pas c'est qui. En tout cas, énervé de fou. Bon, on se quitte dessus. Je vous dis à la prochaine. Et ciao, ciao.